au complet, prête à l'action, chef. Jayce, est-ce que c'est toi? Oui, on s'est endormi et à notre réveil, Galinetta est devenue moi. Et moi, je suis devenue Galinetta. Waouh, c'est vraiment bizarre. Bon, eh bien merci d'être arrivé si vite en tout cas. Le vent soufflait tellement fort qu'il a emporté la limande jusqu'au sommet de la montagne de Jake. Rocky, tu construiras une remorque pour transporter la limande jusqu'au port. Et enfin, Chase, tu utiliseras ton treuil pour mettre le bateau sur la remorque. La Pat Patrouille part en mission. Où sont Chase et Galinetta? On doit améliorer notre travail d'équipe, mais on va y arriver. Ah, je n'en doute pas, Galinetta... Chase, pardon. Très bien, Rocky. Commence à construire la remorque. La remorque est prête. Marcus, nous allons accrocher la remorque à ton véhicule, puis rejoindre le port. Si la remorque s'écrase, je peux dire adieu à mon bateau. Catastrophe! Le bateau file donc à toute allure. Il se dirige vers vous. Vite, nous devons à tout prix l'arrêter. Super, on a dépassé la remorque. Quand je dis maintenant, tu commences à ralentir. Côte-côte, maintenant. Continue. Continue, attention. C'est parti. J'ai réussi. Tout va bien, Capitaine Turbo? Je crois que ça recommence. Maurice et moi tenions à vous dire que nous sommes ravis d'avoir retrouvé notre chère limande. Merci, la Pat Patrouille. Ah, je suis redevenue moi. Ce rêve était très étrange. Je dois marcher jusqu'à la Grande Vallée pour que Travis l'explorateur voie un vrai monstre inventé de toutes pièces et me suive ensuite jusqu'à Foggy Bottom. À l'aide! Ou plutôt... Mais quelle est cette étrange créature? Un Yetinger! Un Yetinger! Je ferais mieux d'appeler la Pat Patrouille. À toi de jouer, Marcus! Va rejoindre le Yetinger! Il a l'air effrayé! Oui. Tu devras donc faire très attention quand tu l'aideras à descendre. Entendu, Ryder! Ruff! Échec! Tenez bon, Monsieur Yetinger! J'arrive à la rescousse! Ah, il était temps, je commençais à m'impatienter! Ou plutôt... Marcus, dis-lui de se retourner et de descendre tout doucement, d'accord? Je ne parle pas le Yetinger, mais je vais essayer. Grrr! Waouh, j'ai réussi à me faire comprendre. Ryder, sa fourrure est coincée sur la pointe du rocher. Viens, Stella, il nous faut un hélicoptère. Bien reçu, Ryder. N'ayez pas peur, Monsieur Yetinger. Stella va vous sauver. Attendez, ce n'est pas une créature, c'est... Oups, pardon. Monsieur Hellinger? Mon beau costume n'aura servi à rien. Si seulement il y avait un vrai monstre à Foggy Bottom. C'est vous qui avez fait ce bruit? Pas de patrouille au complet, prête à l'action, chef. Merci d'être arrivé si vite. Le ballon de Monsieur Hellinger détruit tout sur son passage et risque de gâcher le concours de melon. Pour cette mission, j'ai besoin de Chase. Tu utiliseras ton filet pour arrêter le ballon et limiter les dégâts. Et de toi, Rocky. À l'aide de tes outils, tu répareras tout ce que le ballon aura cassé. Allons-y, la Pat Patrouille part en mission. Vite, Chase, ton filet. Hors de question, espèce, ne t'approche pas de mon vrai melon. Tenez bon, madame, et ne vous en faites pas, surtout, j'appelle tout de suite du renfort. Je suis là. Ou plutôt ici. J'y étais presque. Ce ballon ne cesse de rebondir. Il faut l'arrêter le temps que Stella attrape Madame Goodway. Ah, j'ai une idée. Rocky,
rejoins ton camion de recyclage. Et prépare-toi à jouer au basketball. Et voilà. Je dois juste faire quelques modifications. Maintenant, c'est le plus grand panier de basket au monde. Suffisamment petit pour que le ballon ne passe pas à travers et suffisamment grand pour l'attraper. Allons-y. Ça devrait aller. File au bon moment. Jayce, utilise ton lance-balle. À toi de jouer, Stella. Merci infiniment, la Pat Patrouille. Ravi d'avoir aidé. Si vous avez un problème de ballon, il suffit de nous appeler. Oh non, le soleil va bientôt se coucher. La tarentule géante des cavernes ne va pas tarder à sortir. Qu'est-ce qu'on va faire? La Pat Patrouille, on est sauvés! Capitaine Turbo, puisque vous êtes à l'envers, on va essayer de vous libérer en premier. Rouf, pince! Il faut faire vite, sinon on va tomber nez à nez avec ce monstre aux pattes velues. Et entre nous, j'aimerais mieux éviter. Accrochez-vous à mon overboard, Capitaine Turbo. Wouhou, joli sauvetage, Ruben! Bravo, les amis! Maintenant, allez libérer François! Je vais dégager votre pied de la toile! Ah! Je crois que Rocky a besoin d'aide. Rocky, passe de l'autre côté du filet et tire dessus avec ta pince. Ça marche! Oh, j'ai l'impression de voler comme un oiseau! Maintenant, on va vite te mettre en sécurité. Youhou! Il reste un turbo à sauver! C'est pas vrai! Et la tarentule géante arrive! Oh là là, son ombre est terriblement impressionnante! Je peux y arriver! Capitaine, accrochez-vous! C'est bon! Regardez, c'est... la tarentule géante des cavernes. Oh, vous vous rendez compte? C'est cette adorable petite araignée qui nous faisait si peur. Pat Patrouille au complet, prête à l'action, chef. Merci d'avoir fait aussi vite. Madame Goodway? Non. Galinetta? Horatio, François? Et Danny? C'est Danny X, le hardi! Étaient en haut d'une montagne et sont tous tombés. Stella, tu devras piloter un super hélicoptère et guider notre équipe d'aviateurs. D'accord, prête pour un grand tour dans les airs. Super, la Pat Patrouille part en mission. Rocky, libère Danny de son deltaplane à l'aide de ta pince. Ruben, rejoins Horatio et François pendant que moi je déroule le câble. Trop cool ton parachute! Pince! Tout va bien! Prochain arrêt, le super hélicoptère! J'adore ce son de l'extrême! Marcus, Zuma, allez chercher Madame Goodway et faites-la monter à bord. Je vais tomber. Où est? Je la tiens. Bien joué. Oh, quel joli sourire et quel beau paysage. Merci à Stella et à la Pat Patrouille. Si votre ascension tourne à la catastrophe, il suffit de nous appeler. Retrouve les épisodes de la Pat Patrouille sur Nickelodeon Junior. Oh, quelle chance! À moi les super pouvoirs que j'ai toujours rêvé d'avoir. Je vais devenir le plus grand maire de tous les maires. Moi, Super Hellinger. Non! Chaton, revenez!
Horatio, le train qui ramène les rarissimes tigres blancs dans leur jungle natale devrait passer d'une minute à l'autre. Oh, les voilà dans le dernier wagon. Oh, chaton. Grand chaton. Oh, chaton. Moi, ramène amis pour vous. Oh, mes chatons. Mon chaton! Mon chaton! Oh! Monsieur Ellinger, arrêtez! Maintenant, à mon filet de jouet! Moi, attrapez chaton! Chaton! Oh, oh! Mais où suis-je? Oh! Un ravin! Un tigre! Au secours! Allez! Super filet! Vite! Super tornade! Moi d'abord! Moi! Oh! Et maintenant, un tigre volant! Si jamais vos chats sont encore enlevés, faites-nous un petit miaou et on charrive. Tout droit venu de l'Antiquité, voici la mystérieuse statuette d'or de Lupo. Et ces grandes statues, François? Eh bien, ce sont les gardiens de Lupo. Les gardiens se soumettaient aux ordres de chaque personne qui détenait la statuette d'or de Lupo à l'époque. Quelle légende fascinante! Oui, fascinante et étincelante! Oh! Ce n'est pas une pierre précieuse, c'est un morceau de la météorite qui m'a donné mes super pouvoirs! Ces statues bougent, je n'ai pas rêvé. Arrêtez! Oh, ça alors, on dirait que vous m'avez obéi. Apportez-moi le coffre au trésor là-bas. Je peux leur demander ce que je veux. Me voilà à la tête d'une équipe capable de me rapporter tout ce qui brille. Bon, je vous explique. Nous allons faire sortir du musée Madame Pie en la piégeant avec la plus grande statue étincelante qu'elle ait jamais vue. Et nous récupérerons la statuette de Lupo. L'ennui, c'est qu'on n'a pas la plus grande statue qu'elle ait jamais vue. On l'aura. Vous comprendrez quand on volera dans notre super avion au-dessus du désert. Maintenant, voilà la suite du plan. Oh, c'est si difficile que ça de trouver une statue géante ornée de pierres précieuses. Oh, elle est tellement énorme, tellement étincelante. Apportez-la au musée, dans mon repère. Quoi? Je vous ai bien eu, Madame Pie. Quoi? Tu n'es pas une statue? Non, je suis de la super patrouille. Et la légendaire statuette d'or de Lupo n'est pas à vous. Merci beaucoup, Pat Patrouille. Vous avez sauvé l'exposition en rapportant son joyau. Mais de rien, si jamais vos statues se mettent à bouger, il suffit de nous appeler. Une tempête approche à grande vitesse, Everest. Viens te mettre à l'abri. Oh non, le louveteau risque de se perdre dans la neige. Il faut que j'aille l'aider. N'aie pas peur, je vais te guider. Viens, on va chercher un endroit où s'abriter. Regarde, une grotte. Suis-moi. Parfait, on est à l'abri ici. On va attendre un peu que la tempête se calme. Oh oh, c'était pas prévu. Oh, ne t'inquiète pas, on va trouver un moyen de sortir. La neige s'est transformée en glace. Impossible de creuser un trou. J'ai une idée. Oup! Grappin! Voilà qui est mieux. Viens, petit loup, c'est amusant. Tu ne veux pas m'aider? Quand il y a beaucoup à faire, les amis peuvent t'aider. Et en chantant un petit air, la 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 la.
ça risque de prendre du temps. Oh, c'est la patte patrouille. Continue de creuser, petit loup. On va bientôt sortir d'ici. Vous nous avez trouvés. Content de te voir. Bravo. Je vole autour du monde dans mon grand ballon. Explorer et s'aventurer, c'est ce que j'aime le plus. C'est si beau. Quel que soit l'endroit, sur terre ou là-haut, sur la neige ou sur l'eau, je suis Travis l'explorateur. Et ceci est mon grand numéro. Oh, oh, une cigogne. Je vais t'appeler... Cigognetta. Oh, Cigognetta, nous y voilà enfin. On est au pôle Nord. Tiens, il n'y a pas de neige. Bonjour, Tracker. Comment ça va? Regarde. Quel magnifique paysage nordique. C'est Galinetta et Travis. Si, et il pense qu'il est au pôle Nord. On arrive tout de suite. J'ai un robot, mets le cap sur la jungle. Hola, Ryder. Il est là-haut. Accrochez-vous, Travis. On va vous aider à descendre. Ryder, comment est-ce que vous avez fait pour venir jusqu'à ce pays où il fait si froid? Chase, il faut que tu déploies ton filet pour réceptionner Travis et Galinetta. On va vous faire descendre, Travis. Mais il faut faire vite, regardez. Cette aventure est de plus en plus palpitante. Chase, lance ton filet maintenant. Filet. Waouh, oui. Où est l'araignée qui a fabriqué cette toile? Ça doit être une araignée géante. Voilà, maintenant il est temps de dire adieu au pôle Nord. Cela dit, je dois avouer que j'ai le cœur lourd, car j'ai dû quitter ma fidèle amie, Cigognetta. Mais j'ai une nouvelle compagne de voyage. Où allons-nous, Hamsteretta? C'est trop génial de jouer à cache-cache dans la jungle. Oh, attendez, on n'a toujours pas trouvé Marcus. D'emmener Esta. Marcus, je t'ai trouvé. Non, tu n'es pas Marcus. Un pingouin? Dans la jungle, on voit pas des pingouins tous les jours. On dirait des peluches. Oh, petit pingouin, où êtes-vous? Sortez de votre cachette. Tiens, que fait ce gros bloc de glace ici? Je parie que les pingouins sont arrivés sur cet iceberg. C'est très perspicace de votre part, chers amis de la Patte Patrouille. Capitaine Turbo! Ces pingouins sont bien loin de leur immense banc de glace. On ferait mieux d'appeler Ryder. Coucou Chase, quoi de neuf? Ryder, on a trouvé 3 pingouins dans la jungle, mais ils ont disparu. Aucun pingouin n'est introuvable, car mes amis, ils assurent. Rocky, va demander du poisson au Capitaine Turbo et ramène ta catapulte. Reçu 5 sur 5, Ryder. Regardez, le Capitaine Turbo m'a donné plein de poissons. Génial! Lance-les avec ta catapulte pour attirer les pingouins jusqu'au bateau du Capitaine Turbo. Mira, pinguinos! C'est l'heure du repas. Merci de ramener ces pingouins chez eux, Capitaine Turbo. J'ai assez de poissons pour les nourrir et je vais mettre de l'air frais dans la cale pour qu'ils soient à l'aise jusqu'à ce qu'on rejoigne le climat polaire. Retrouve les épisodes de la Patte Patrouille sur Nickelodeon Junior. Tenez-vous prêts, car pour le 100e anniversaire de notre cloche, ma Galinetta d'amour va vous présenter son nouveau numéro. Oh, regardez, elle agite ses ailes pour souhaiter à tout le monde une bonne fête de la cloche. Oh, très impressionnant. Tout ce qui brille est à moi. Oh, d'où vient ce bruit? Non. Tout ce que je veux, c'est voler cette poule et son beau chapeau qui brille. Laissez ma Galinetta tranquille. Donne-moi tout de suite ce chapeau. Je ferais mieux d'appeler la Patte Patrouille. Oh, tout va bien, Madame Goodwill? Wow! Mettez-vous à l'abri tout de suite! Mais rassurez-vous, aucune poule n'est trop grosse, car mes amis, ils assurent! Oh! Oh non! Ne me dites pas que ces chiens vont encore m'embêter! Vite, Ruben! Écarte les obstacles! Entendu! Ah!
Félicitations, Ruben. Chase, dis aux piétons de s'éloigner. Messieurs, dames, vite, allez-vous-en. Une poule géante fonce droit vers nous. À toi de jouer, Ella. Essaie de conduire Galinetta en dehors de la ville. Prête pour ma grande mission. Coucou, Galinetta. Viens, suis-moi. Merci beaucoup, la super patrouille, d'avoir sauvé cette formidable fête. Et un grand merci à toi, ma Galinetta, d'avoir rétréci pour que je puisse te serrer dans mes bras. Oh. Je vous en prie, y a pas de quoi. Si jamais vous avez besoin d'aide, faites ding-dong pour nous appeler. Une famille de chauves-souris. Regarde tout à droite, il y a un bébé qui fait dodo. Endors-toi, petite boule de poil, ce n'est pas l'heure de se réveiller. Oh, c'est pas de l'or, ce n'est rien d'autre qu'une vieille capsule. Chute de pierre. S'il y a des gens en bas, ça peut être dangereux. Je dois à tout prix les prévenir. Attention, attention! Chute de pierre! Mais d'où vient ce bruit? Chute de pierre! Wow! Allons-nous-en vite! Venez, les amis! Sortons de cette grotte! Oh! Ça y est, c'est fini! Maintenant, oui. Tout le monde va bien, il n'y a pas de blessés. Tout va bien, oncle Otis. Merci de nous avoir prévenus. Oh non, ses parents sont coincés à l'intérieur de la grotte. Ne vous en faites pas, les chauves-souris. J'appelle tout de suite la patte patrouille. Wow, ce rocher est beaucoup plus gros que ce que j'avais imaginé. Ne t'inquiète pas, bébé chauve-souris. On va vite retrouver tes parents. Everest, tu connais ta mission. Oh, pince. Il est temps de faire rouler cet énorme rocher. Wow, merci d'avoir sauvé les chauves-souris, la patte patrouille. Si des chauves-souris ont besoin d'un abri, il suffit de nous appeler. Regardez, vous avez vu ce monstre? Ça alors, je n'en crois pas mes yeux. Quelle est cette chose? J'ai jamais vu un animal qui ressemblait à ça. C'est le moment de déguerpir, Danny. C'est Danny X le Hardy. Voir un monstre de près, ça, ça serait vraiment extrême. Extrêmement effrayant. Viens, suis-moi. Ah, dépêche-toi, fichu télésiège. J'ai une petite idée. Les sièges filaient à toute allure et maintenant ils ne marchent plus. Au moins tout en haut, on ne risque pas de tomber sur le monstre des montagnes. Le monstre des montagnes? Il était très grand et tout vert. Il s'est dirigé vers la forêt. J'appelle la patte patrouille. Échelle. Prêt, Alex? À toi de jouer. C'est parti. Doucement, ne va. Tout va bien. Merci beaucoup, Ryder. J'espère de tout cœur que vous allez retrouver ce monstre. Everest, as-tu repéré quelque chose? Ryder, ça y est, j'ai trouvé le monstre. En fait, c'est Madame Goodway qui est couverte de boue au sapin. Elle a besoin d'aide, elle n'arrive pas à contrôler son snowboard. Tenez bon, Madame Goodway, je vais vous aider. Est-ce que ça va, Madame Goodway? Tout va bien, je suis saine et sauve. Et c'est grâce à toi, Everest. Merci, la patte patrouille. Il n'y a pas de quoi, Madame Goodway. Si jamais vous voyez un monstre terrifiant, faites pour nous appeler. Bonjour à tous et bienvenue au défilé de ballons géants. Ouais. Oh. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Cette
fois, tous les regards sont braqués sur moi. C'est mon heure de gloire. Bizarre, le programme ne prévoit pas la participation de Monsieur Ellinger. Mais après tout, nous pouvons bien faire une petite place à notre cher voisin. Monsieur Ellinger, placez-vous à la fin du cortège, s'il vous plaît. Au secours! Rocky, Monsieur Ellinger a perdu le contrôle de son ballon. Il faut que tu ailles lui porter secours. Réparer, c'est bien joué. Je vous en prie, aidez-moi. Le berger est devenu fou. Il y a un trou dans la chaussure. Resserre les bords du trou avec ta pince. Le ballon ralentira et l'air patrouilleur pourra l'attraper. On va sauver Monsieur Ellinger. Après, il pourra nous serrer la pince. Ouf, pince. Le trou est bouché, Ryder. Beau travail, Rocky. C'est bon, Rocky, tu peux lâcher maintenant. Oh, ne me dites pas que le défilé est déjà terminé. Oh. Non, il va bientôt commencer. Distribution de ballons. Qui n'a pas eu son ballon? Tiens, ce sera un souvenir de ce magnifique défilé. C'est le défilé le plus spectaculaire que j'ai jamais vu. Et voilà. Bienvenue au stage de sauvetage de la Pat Patrouille. Waouh! Elle est super chouette, la tenue de Stella. Je suis sûr que ça la dérangerait pas que je les ai. Wouf, wouf, elle! Wouah! C'est le vol de l'extrême! Il faut à tout prix que mes fans voient ça! Visez un peu ça, les cascadeurs! Danix le Hardy au sommet de son art! Oh, 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 oh non, c'est pas si facile que ça! Wouhou! Et voilà le travail. Quelle belle journée pour aller voler. Wouhou! Danny est en train de voler? Je ferais mieux d'appeler Ryder. J'aurais peut-être dû demander à Stella quelques leçons de pilotage avant d'essayer ses ailes. Wouhou! Oh, oh! Attends! Oh, je sais pas me servir de ces ailes! T'as pas un nid ou quelque chose à construire? Regardez, Danny est là-haut! Et on dirait qu'il essaie d'échapper à un aigle! Chase, prépare ton filet! Je suis prêt à le récupérer! Oh, j'ai dû semer l'aigle dans le dernier nuage! Oh non! Aigle en vue! Hein? Oh. Oh! Chase, ton filet! Filet! Et voilà comment se termine une nouvelle aventure de Danix le Hardy. Désolé d'avoir emprunté ton sac sans faire exprès, Stella. C'était un peu trop hardy, je crois. Même pour moi. Ne t'inquiète pas, Danny. Je suis contente que tu ailles bien. Retrouve les épisodes de la Pat Patrouille sur Nickelodeon Junior. Attention, François, cette lentille de verre est parfaitement intacte et je voudrais qu'elle le reste. Oh, mais bien sûr! Et grâce à cette superbe lentille, la lumière de ton phare sera nettement plus étincelante. Et vise un peu la drôle de tête que ça me fait lorsque je regarde de travers. À qui je te fais penser? Allez, aide-moi à la charger. Dépêchons-nous de l'emmener sur l'île! Vite, vite, mets les gaz! Désolé, mais non. Je vais plutôt conduire doucement et prudemment pour ne pas abîmer ma lentille. Oula! Les troncs d'arbres sont en train de prendre feu! Je ferai mieux de ralentir! Le levier est coincé! Je ne peux plus freiner! Il me faut de l'air! On y est! On va éteindre ces troncs d'arbres! Mais il faut arrêter ce train avant! Bien vu, Marcus! Ruben, attrape le train avec ta pince! On va se servir de nos freins pour l'arrêter! C'est la première fois que j'attrape un train! Super! Tu le tiens? Je freine! Maintenant, on va les arroser! Voiture canon en haut!
sauvetage, la Pat Patrouille. Pas de problème. Il n'y a Pat Patrouille au complet et paré à l'action, chef. Merci d'être venu si vite, les amis. Des téléphones disparaissent les uns après les autres dans toute la Grande Vallée. Oh, malheur. Kalia. Les habitants ne peuvent plus appeler à l'aide. C'est pour cela que c'est un sauvetage extrême qui nous attend. Chase, avec tes compétences de policier, c'est toi qui dirigeras l'équipe. On va avoir besoin de toute la Pat Patrouille pour cette enquête. C'est parti, la Pat Patrouille part en mission. Contente de vous voir, la Pat Patrouille. On s'en occupe, Cathy. Marcus, utilise l'échelle pour la faire descendre. Je m'en charge, chef. Échelle. Ça chatouille. Monsieur Porter, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ici? J'étais en train de jouer à Popcorn Crush quand j'ai entendu mes poubelles tomber. Je suis allé les redresser et j'ai laissé mon téléphone juste là. Il doit y avoir d'autres indices près de ces poubelles. Rocky, utilise ton scanner pour voir ce que tu peux trouver. Scanner. Chase, j'ai trouvé des empreintes. Elles sont vraiment petites. Est-ce que les fantômes peuvent laisser des empreintes? Ces empreintes sentent le melon. On va suivre cette odeur. Oh, c'est un raton laveur. Un raton rockeur. Je comprends maintenant. Les ratons laveurs cherchent à manger la nuit. C'est pour ça qu'ils ont été chercher les melons. J'ai une idée. Quel est ton plan? Oui, c'est bien, petit raton laveur. Montre-nous comme tu danses bien. Merci beaucoup. Vous avez réussi. Vous êtes les meilleurs. Merci, les amis. Merci beaucoup, Ryder. Il n'y a pas de quoi. C'est trop génial de jouer à cache-cache dans la jungle. Oh, attendez, on n'a toujours pas trouvé Marcus. Dans Nesta. Marcus, je t'ai trouvé. Non, tu n'es pas Marcus. Un pingouin? Dans la jungle, on voit pas des pingouins tous les jours. On dirait des peluches. Oh, petit pingouin, où êtes-vous? Sortez de votre cachette. Tiens, que fait ce gros bloc de glace ici? Je parie que les pingouins sont arrivés sur cet iceberg. C'est très perspicace de votre part, chers amis de la Patte Patrouille. Capitaine Turbo! Ces pingouins sont bien loin de leur immense banc de glace. On ferait mieux d'appeler Ryder. Coucou Chase, quoi de neuf? Ryder, on a trouvé 3 pingouins dans la jungle, mais ils ont disparu. Aucun pingouin n'est introuvable, car mes amis, ils assurent. Rocky, va demander du poisson au capitaine Turbo et ramène ta catapulte. Reçu 5 sur 5, Ryder. Regardez, le capitaine Turbo m'a donné plein de poissons. Génial! Lance-les avec ta catapulte pour attirer les pingouins jusqu'au bateau du capitaine Turbo. Mira, pinguinos! C'est l'heure du repas! Merci de ramener ces pingouins chez eux, capitaine Turbo! J'ai assez de poissons pour les nourrir et je vais mettre de l'air frais dans la cale pour qu'ils soient à l'aise jusqu'à ce qu'on rejoigne le climat polaire! La nuit commence à tomber. Il faut que j'allume le phare! Je me demande ce qu'on peut faire d'autre. Quel jeu de lumière de l'extrême! Je vais essayer de braquer la lumière sur elle comme un projecteur. Ouais! Maintenant, je vais laisser la lumière allumée en intensité maximum et l'éclairage sera parfait pour la cascade retransmise en direct la plus impressionnante qu'on ait jamais vue! Et il ne pourra pas voir l'île. Oh non! La porte s'est refermée. J'ai laissé les clés à l'intérieur. Il faut que j'appelle la Patte Patrouille. La porte s'est refermée derrière moi. Chase, serre-toi de tes semelles ventouses pour escalader le phare et entre par la fenêtre ouverte. Semelles ventouses! Je pourrais faire des cascades de haute voltige avec ces chaussures. Zuma, comment ça va? Il fait très sombre en mer, on ne voit rien. Je crois que le capitaine du cargo ne peut ni me voir ni m'entendre. Ne t'approche pas trop, il faut pas que le bateau te rentre dedans. Je vais garder mes distances et essayer d'alerter le capitaine. Je suis dans le phare, je descends tout de suite.
l'ampoule a grillé. On va devoir la remplacer. C'est comme si c'était fait. Je reviens. Il faut faire vite. Le cargo va percuter la côte. Ryder, le bateau a viré de bord. Wow, trop cool! Bonjour à tous et bienvenue au défilé de ballons géants. Ouais. Oh. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Cette fois, tous les regards sont braqués sur moi. C'est mon heure de gloire. Bizarre, le programme ne prévoit pas la participation de Monsieur Ellinger. Mais après tout, nous pouvons bien faire une petite place à notre cher voisin. Monsieur Ellinger, placez-vous à la fin du cortège, s'il vous plaît. Au secours! Rocky, Monsieur Ellinger a perdu le contrôle de son ballon. Il faut que tu ailles lui porter secours. Réparer, c'est bien joué. Je vous en prie, aidez-moi. Le maire géant est devenu fou. Il y a un trou dans la chaussure. Resserre les bords du trou avec ta pince. Le ballon ralentira et l'air patrouilleur pourra l'attraper. On va sauver Monsieur Ellinger. Après, il pourra nous serrer la pince. Ouf, pince. Le trou est bouché, Ryder. Beau travail, Rocky. C'est bon, Rocky, tu peux lâcher maintenant. Oh, ne me dites pas que le défilé est déjà terminé. Oh. Non, il va bientôt commencer. Distribution de ballons. Qui n'a pas eu son ballon? Tiens, ce sera un souvenir de ce magnifique défilé. C'est le défilé le plus spectaculaire que j'ai jamais vu. Retrouve les épisodes de la Pat Patrouille sur Nickelodeon Junior.